On va s'arrêter là deux secondes. Juste avant que la vidéo commence, je vais juste expliquer un point. Oui, j'ai entre parenthèses été aveugle pendant un petit peu de temps. Pour ceux qui m'ont suivi sur Snap, oui, bah, vous avez dû voir que j'étais pas dans mon état naturel. Je vais tous vous expliquer dans cette vidéo, on va partir tout de suite. Voilà. Vous l'avez vu dans le titre de vidéo, j'ai failli devenir aveugle. Bon, pas exactement à proprement parler, mais bon, quand même à des risques de devenir aveugle plus tard. Mais bon, des risques vraiment minimes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer un petit peu les raisons pourquoi. Bon, je vous raconte un petit peu ma vie dans cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, bah restez, pouce bleu, et pour ceux qui s'intéressent pas, bah... En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, bah, j'ai appris que par la suite, j'avais des problèmes aux yeux. Donc, en fait, ça fait plusieurs années, presque deux ans. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai mal aux yeux. Et en fait, ça fait plusieurs années que je me rends compte que quand je suis sur un écran, que ça fait longtemps, j'ai tendance à pisser des yeux. Donc, quand je regarde un écran ou quelque chose comme ça, j'ai tendance à prendre mon téléphone et à regarder comme ça. Donc tu vois que j'ai pas l'air con en faisant ça. Et en fait, par la suite, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faudra peut-être que je me sorte les doigts du cul et aller voir un ophtalmo. Oui, bon, tu sais qu'il y a force, force. Ah bah la totale. Ah bah j'ai eu la totale. Je suis allé voir et au final j'ai appris quoi? Bah astigmate d'un œil, hypermétrope de l'autre. Ah et franchement, on peut pas faire mieux. Évidemment, je vois toujours. Enfin, c'est vraiment petit. Genre, c'est pas violent, mais c'est chiant. J'arrive à voir quand même dans la vie de tous les jours. Je vois. Je vois malheureusement les commentaires de merde que je reçois encore sur mes vidéos. Mais bon, on peut pas non plus. Je veux pas être aveugle non plus à tel point. Mais. On va pas se mentir parce que sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Maladie des yeux qui ne fait jamais de mal à personne. On me diagnostique un kéracone. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un kéracone, enfin si ça se prononce vraiment comme ça, c'est en gros vous la pupille de l'œil qui normalement est censée être sphérique, moi elle est en forme de cône. Donc c'est juste ça, c'est en fait c'est à cause de ça que bah, je vois trouble. Ça fait c'est une maladie, il y a pas mort d'homme quoi. Enfin je veux pas bourrer. Sauf. En fait, le seul moyen pour que je devienne aveugle et que ma rétine prenne un coup, c'est de me manger une droite en plein dans l'œil. Alors en fait, il faudra limite que le mec il me défonce là, comme ça quoi. Et m'enfonce son œil. Pour que j'ai un problème, pseudo-problème. Donc c'est dire que je suis tranquille. Bon, ça va non plus, je vais pas devenir aveugle. Je peux encore voir vos commentaires super sympas, vos super messages, vos pouces bleus et vos abonnements. Non, ça je les vois pas. Mais bon, je vais pas mentir qu'au début j'ai un peu commencé à flipper parce que je me suis dit, mais putain, mais dans quelle merde je vais être. Bon, pire cas, c'est pas grave, je commençais à mettre des lunettes. Donc pire cas, ça fera beau gosse, j'aurai un petit peu tout. Et la totale quoi. J'aurais pu être beau gosse. Et paraître un peu plus intelligent. Mais non, parce qu'en fait, le but, c'est de me taper des lentilles de contact. Non, mais je veux pas des lentilles de contact. Moi, me connaissant, en fait, quand même, commence à me sortir qu'il fallait des lentilles de contact. Non, moi, je pouvais pas du tout me faire prendre des lentilles de contact. Le délire des lentilles de contact, c'est pas du tout mon délire. Des lentilles, je me connais. Déjà, de 1, je les oublierai tout le temps. Heureusement que, soi-disant, ça existe des lentilles que tu gardes une semaine, même si j'y crois pas tellement. Mais, voilà, file-moi des lunettes de merde. Au pire, je ressemble à un plouc avec des hublots monumentales, y a pas de souci. Juste qu'en fait, je veux des lunettes avec des rayons, de passer les rayons bleus des écrans pour éviter d'avoir mal aux yeux, d'avoir peut-être mal à la tête, parce que j'ai jamais eu mal à la tête en regardant aucun écran. J'ai jamais eu mal. Alors, si ce truc, c'est... Mais, de ce qu'elle m'a dit, l'ophtalmo, tu vois mieux sans lunettes qu'avec. Bah alors pourquoi tu me casses les couilles? Je veux bien comprendre, ok d'accord, y'a pas de soucis, je veux bien comprendre que les lentilles ça me ferait mieux. Mais si pourquoi tu me dis alors que j'ai besoin de vérification? Oh je peux survivre hein. Bon jusqu'à preuve du contraire j'ai toujours survécu sans lunettes. Même si je sais que ça peut plaire, hein. Comme on dit, homme à lunettes, je sais pas la suite. Je sais qu'il y avait un truc cochon derrière, mais c'est tout ce que je savais. Bref, ne vous inquiétez pas, je pourrai toujours voir vos conneries et voir les débilos commenter des vidéos. Tu vois que certains ils regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Hein. Ils vont, je suis sûr, il y en a qui vont voir le titre. Ils auront même pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Et que s'ils ont vu cette vidéo jusqu'au bout, bah vous pourrez me dire, ok, mettez-le en commentaire, tiens, ok, t'avais raison. J'ai failli, entre parenthèses, je peux devenir aveugle, j'ai failli, entre parenthèses, si je le savais pas, si je mettrais une droite, j'aurais pas compris pourquoi. Là maintenant, je sais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous abonnez, vous laissez un petit pouce bleu, et on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, tout le monde. Ça sert à rien de rester, il n'y a plus rien à voir.